Bonjour à tous. Alors, je suis pas aussi à l'aise qu'un Onfray ou qu'un Zemmour dans cet exercice de parler devant une caméra. C'était parti, cette histoire de chanson un peu amusante, c'était parti un petit pari au départ avec un copain, et c'était à l'époque où on devait rester une semaine coincée chez nous. Ça a largement évolué, on est allé nettement plus loin, n'est-ce pas? Et donc, après 50 chansons, on est arrivé au déconfinement aujourd'hui, et j'ai gagné mon pari. C'est-à-dire une bouteille de Gigondas qui m'attend du côté de Cavaillon. 50 chansons puisées donc dans le répertoire de la chanson française. Il y a quelques personnes qui gentiment m'ont aidé pour les textes et qui ont eu quelques idées. J'ai été aidé aussi par un saxophoniste qui est mon beau-frère, Jagato, vous connaissez bien, qui est complètement sorti de son répertoire habituel pour me donner un coup de main. Donc son répertoire habituel, c'est le jazz, et là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, voilà, c'est fini, on va pas ressasser les mêmes pandémies. Voilà, ça c'est et Jean-Louis Aubert. Je vais vous faire un petit peu les chansons que j'avais cochées sur une liste, c'est-à-dire les idées initiales, mais qui n'ont jamais été développées. François Valéry, 1978. Emmène-moi voler ce soir, malgré le Covid, gardons un peu d'espoir. Pas la du 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 du, ainsi de suite. Grand guitariste rocker américain qui aurait pu m'inspirer un petit peu. Go, go, Covid, go, go. Go, Covid, go, go. Go, Covid, go, go. Go, Covid, go, go. Covid away. Bon, c'était évidemment Chuck Berry. Une petite chanteuse française que j'aime bien s'appelle Zaz. D'ailleurs, c'est amusant comme moi. Donnez-moi un petit Covid, je n'en veux pas. Donnez-moi un petit virus, je n'en veux pas. Da du 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 du. La chanson de Jean Sablon, 1931, ça aurait été la chanson la plus vieille. Alors c'est vous qui voulez sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donne-moi un peu d'espoir ce soir, j'ai tant de peine. Il veut dire comme chanson d'ailleurs. Très belle chanson de... Ah, c'est mon téléphone, mais il est en mode... Je ne réponds pas. Une chanson de Johnny Hallyday, alors une autre chose, une autre histoire. Oui, je l'ai connu là, en volant avec toi. Je lui ai dit, mon petit gars, tant que tu voleras comme ça. Merci. Et ainsi de suite. C'était Johnny Mouloudi. Alors, les jeunes ne connaissent pas Mouloudi, mais vous, vous connaissez peut-être. Un jour, tu revoleras. On se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Évidemment, ma liste n'a aucune cohérence parce que voilà, j'ai coché au fur et à mesure que les idées arrivent. Ah, que les thermiques que j'aime, ils viennent de là et ils viennent des bouts. Des bouses, oui, des bouses, du méthane peut-être, enfin je sais pas. Jean-Louis Aubert et Raphaël, une chanson qui a eu beaucoup de succès. La vie route, tu l'as vue là-bas, la vie route, mais elle n'est pas là, la vie route, tchap, du 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 da, da da da, da 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 da. Sur la map monde à voleur, et ainsi de suite, ça aurait pu. Une chanson italienne que tout le monde connaît, une chanson des partisans, au départ une chanson contre les moustiques. Mattina, mi casvegliato,
Coco, na ciao, na ciao, na ciao, 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 na na. Je continue, deuxième page de la liste. Je vous rassure, il n'y a pas 50 pages. Et le confinement aurait pu durer un petit moment quand même. Chanson de Pink Martini qui est assez jolie et surtout dont le début est très adapté au confinement. La chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Je me souviens plus là. Je ne peux pas décoller, non. Je ne peux pas m'envoler. Je peux seulement oublier. Une chanson d'un groupe qui s'appelait Cana. J'ai tout petit problème avec le corona. Pourquoi ça vole pas? J'ai tout petit problème avec le corona. Pourquoi ça vole pas? Un reggae de Lavilliers, ça s'appelait Stand the Ghetto au départ. Contre-temps, bien sûr, du reggae. Si tu penses à voler, si tu penses à planer, dans un style beaucoup plus nostalgique, Pascal Danel, alors ça remonte aux années 60. Laissons la plage au romantique. Ce soir, j'ai envie de voler. La seule est la volée. Laissons la plage au romantique. Au volantique. Je veux voler. À mon idée, c'est très bas pour moi ça. Sentimental, soif idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Alors, attiré par les étoiles, les voiles, c'est joli quand même pour le vol libre, ça. Puis il l'empoigna, il la fit cela. Il l'a mis sur les rails du train ou quelque chose comme ça. Et le train arrivé, c'était Jean Salvador. Covid est à la... Non, c'est pas ça. Covid est à... Ah, j'y arrive pas. Alors là, non, bon, on verra plus tard. Arrivé. Sans se presser. Oui, c'est un dos. Le beau Covid. Oui, c'était en dos. Donne du vol à ton nom, du vol et du tabac. Donne du vol à ton homme et tu verras comme il t'aimera. Moustaki, je pense. Hein. Voici venu le temps des vols et des chants. Sans le corona, c'est tous les jours le printemps. Ou alors, on aurait pu décliner ça aussi. Voici venu le temps du déconfinement. Bon, pourquoi pas. Alors. On n'entendait pas. On revole again, again. On revole again, again. Nous étions jeunes et là, je dépends. Voilà. Je ne me souviens plus très bien des chansons. C'était un nouveau de Guy Lavilliers. Julien Clerc. Lily voulait aller voler. Lily voulait aller voler. Lily voulait aller voler. Les gendarmes trouvaient ça pas drôle. Voilà. C'est à peu près tout. Je vais noter quelques autres petits trucs. Bon, je vous l'ai dit quand même. Sur Donnez-moi de l'oxygène de Diane Dufresne, on aurait pu. J'aurais pu faire Enlevez-moi de l'anxiogène, ça aurait été une bonne idée, ça. Philippe Laville, il vole sur des bambous. Bon, pourquoi pas.
Il a neigé sur yesterday, quand le Covid est arrivé. Okay, Marie Laforêt, pourquoi pas. Au pays de Candy, on rêve, on vole, on rit. On reste optimiste. Ma liberté de voler, Florent Pagny, d'accord. Stromae, Delta Outé, Delta Outé, voilà. Et puis bon, c'est à peu près tout. Voilà, c'est fini. On va pas ressasser, etc. Bonne journée à tous.